Avoir un aspirateur robot piscine haut de gamme et performant. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Et aujourd'hui, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter eh bien, un aspirateur robot piscine. Regarde-moi cette grande brosse centrale. Ici de la fameuse marque Aiper et il s'agit donc du Seagull Pro. Et concernant la marque Aiper, elle est basée aux États-Unis, elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de robots nettoyeurs de piscines autonomes utilisant bien entendu des technologies avancées qu'on verra dans cette vidéo pour simplifier bien entendu l'entretien des piscines. Il y a un côté très simple d'utilisation puisqu'en fait on est un peu sur un système plug and play, c'est-à-dire qu'il suffit de recharger ici l'aspirateur robot et puis après de le mettre dans la piscine. Il va automatiquement démarrer sa séance de nettoyage. Donc en amont on peut choisir s'il va faire par exemple juste le fond de la piscine ou alors les parois, ou bien il peut faire les deux, il peut faire par exemple le fond puis après les parois, et tout ça en étant totalement autonome, capable de pomper jusqu'à 130 gallons par minute et peut nettoyer les fonds, les murs, les lignes d'eau aussi des piscines. Bien entendu, on est ici sur un robot piscine sans fil. On a un indicateur LED hein, au niveau du cadran de contrôle, ce qui va te permettre de t'indiquer eh bien, le niveau de l'état de batterie finalement restant. Il y aura un système de vidange automatique. Dès que tu vas sortir l'aspirateur robot, en fait, tu vas voir vraiment tout l'eau qui va sortir du robot. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa, assez pratique. Ils appellent un stationnement automatique, c'est-à-dire que lorsqu'il aura fini sa séance de nettoyage, eh bien, il va aller automatiquement eh bien, au niveau d'une bordure de la piscine. Moteur avec une puissance de 196 watts. Ouais, bien c'est parti pour la phase test ici du Seagull Pro de la marque Aiper. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a cette poignée qui permet en fait très facilement de transporter l'aspirateur robot piscine. J'aime énormément aussi les finitions de cet aspirateur robot. On aura un petit peu le coffre assez sympa avec d'ailleurs ici une sorte de petite poignée avec on va dire une imitation carbone assez stylée. Et ici, nous aurons accès, bien entendu, eh bien, au sac de saleté où tout simplement, on pourra laver, vider très facilement. Bien entendu, le robot est éteint. Et en fait, on a une petite molette comme ça, c'est cranté. Hop, je vais au premier niveau. Et comme tu peux le voir, en fait, ici, on va être en mode automatique puisque ça va faire le sol et puis après, les parois. Je peux le mettre le mode juste en bas, en fait, c'est tout simplement le sol. Donc, ça va faire le fond de la piscine. Ou alors, je peux lui demander de faire les parois. Et juste avant de démarrer le test, je voulais te montrer très rapidement un petit peu ce qu'on va retrouver sous l'aspirateur. D'ailleurs, c'est assez sympa parce que je peux le positionner comme ça et il tient. Alors, on aura cette très très belle brosse centrale, comme on peut le voir. Et en plus de ça, en fait, tout autour, on aura encore quelques, on va dire, petit marquage ici en plastique qui va permettre simplement de jouer un peu aussi le côté un petit peu balai brosse. Ça sera propulsé bien entendu dans le bac que je t'ai montré juste avant. Donc ici il est en mode automatique et je vais donc préparer. Donc en fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre l'aspirateur robot comme ça. Voilà, je l'imbibe bien de l'eau. Hop, aller au fond de la piscine, ce qui va être le cas ici. Voilà, nickel. Comme tu peux le voir, regarde ça, c'est parti. Là il est en train d'aspirer la piscine et là on peut voir d'ailleurs le chemin en fait qu'il est en train de parcourir, puisqu'en fait on voit carrément à quel point c'est propre. C'est fou, ça se voit vraiment bien. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de saleté, comme tu peux le voir en fait ici, le chemin qu'il est en train de parcourir ici l'aspirateur, et on voit la différence. Voilà. Voilà, et puis après il va monter. Regarde ça, comment c'est impressionnant. Il va monter jusqu'ici. Voilà, incroyable, incroyable. Donc il reste un petit peu là-haut et puis après il va redescendre. Donc ça c'est vraiment parce que souvent on va retrouver pas mal de saleté aussi le long. Oh là là, on voit aussi la brosse centrale hein, qui tourne vraiment bien.
C'est impressionnant. Regardez ça. Et là, hop, il redescend. Assez impressionnant de le voir monter comme ça, de frotter en fait la paroi. Voilà. Donc une fois qu'il a fini, on le récupère. Tac. Attends un peu, enlève bien l'eau. On ouvre l'arrière. Et on voit toute la saleté à l'intérieur. Et c'est assez impressionnant. Comme tu peux le voir, où il y a vraiment pas mal de saleté. On ne se rend pas forcément compte. Tu vois des gros bouts aussi. Donc le résultat. Une fois sorti de l'eau, je vous recommande d'essuyer quand même le produit par un tissu microfibre pour enlever un petit peu ici toute l'humidité. De bien éteindre l'appareil. Voilà. De bien vérifier qu'il n'y ait pas d'eau. De brancher tout simplement ici le chargeur. Prise de secteur. Et puis, hop, on branche. Je suis très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Seagull Pro de la marque Aiper. Vraiment, qui est un excellent aspirateur robot piscine. En fait, je suis très impressionné par ce système plug and play. Suffit tout simplement de charger l'appareil. Après, on sélectionne le mode. Et puis, globalement, on le met dans l'eau. Et puis après, on part faire autre chose et on le laisse travailler. Ça, c'est vraiment le côté ultra pratique. On voit vraiment aussi que c'est un produit de qualité par le hardware, au niveau du toucher, au niveau des matériaux. On voit aussi qu'il arrive vraiment à bien se balader dans le fond de la piscine. Et je trouve aussi le gros plus, c'est qu'il fait très très bien les parois de la piscine. Et surtout au niveau de la ligne d'eau. Ça c'est excellent, j'ai pu bien te le montrer d'ailleurs. Où vraiment on voit, il brosse, c'est vraiment impressionnant. Alors concernant son tarif, en fait, il avoisine les 700 €. On le retrouve officiellement à 799 € sur leur site. Il peut avoir plus ou moins des réductions, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à regarder pour l'avoir moins cher à 700 €, voire à 600 € en fonction des réductions. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Comme tu as pu le voir, ça fonctionne même super bien.